Bon, c'était pas grand-chose hein, comme petite quête, mais je voulais la réussir. Heureusement que j'ai pensé à désactiver tous les... Vous savez, la transformation de l'industrie en science, parce que sinon j'ai passé à travers. Hein. Salut à toutes et à tous, c'est Comment Gourou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans Endless Space 2. Bon, alors on va continuer à assigner... Le mastodonte, oui, Sylphie, je viens d'avoir le message. Oh. Voilà. Donc, une chose importante, les amis, hein, une chose très importante, c'est que il faut penser. En fait, voilà, vu que j'avais supprimé. Toutes ces assignations, j'ai pas grand-chose qui est sorti. J'ai pas fait grand-chose d'autre. À part peut-être... Eh non, même pas. Même pas. Bon, ben oui. Il faut que je slotte... Parce que j'ai... Ah, est-ce que j'ai encore des ressources? Voilà. J'ai slotté quelques ferrigues. Donc, pour... Alors, on va attaquer à les envoyer, comme je vous ai expliqué, hein, je vais les envoyer sur tous les systèmes. Et ouais, lui, il est en train de replacer ses flottes. Ah, merde. Donc, ah, bordel, c'est à ce moment-là que... Oh, c'est pas possible. Au moment où j'ai sorti, je les sors que... Ouais, non, mais c'est pas sérieux, bon sang. Aïe, 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 aïe. Bon, bah, de toute façon, je vais mailler, hein, j'ai pas le choix. Parce que la connaissance, elle va encore une fois s'installer de partout, celle-là. Ah, je suis pas content, hein. Là... Plus grand chose de dispo, hein. On va voir. On va voir. C'est quand même drôlement efficace. Hein. J'ai. Voilà, donc je suis. Pour Shaddai, je suis en train de prendre le contrôle de la planète. Je suis à 75%. Donc il y a encore peut-être un ou deux tours qui fera que. Ensuite, je peux sortir de la planète. Mais je sais pas si vous l'avez vu la semaine dernière, on a fait le point. Je sais pas pourquoi. Voilà, bon. J'ai gagné deux systèmes de plus colonisables. Donc, bon, bah c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors, toi, je t'envoie où? On va t'envoyer là, hein. Ça risque de me coûter un peu, mais j'ai pas trop le choix, les amis. Hein. À part le fait que je me suis pris trop tard. En fait, c'est pas que je me suis pris trop tard, c'est l'autre enfoiré qui a signé un accord. Je t'avais rien demandé, moi. En foutré, moi. Foiré. Ah, les Horatio, hein. C'est une plaie. Ah, lui, il est en train de... Bon, ben, j'ai fait le tour, hein. J'en ai pas d'autres. Ça me laissera le temps à mon... Ah, si, j'en ai un autre. Ça me laissera le temps à mon... à mon mastodonte de sortir. Et de... de se transformer en citadelle. Bon, voilà, j'ai repassé en recherche urgente IA pour transférer tout en... science qui devrait me... Voilà, 51 000. Bon, c'est pas mal du tout. Par contre, ça m'arrange pas. Hein. Cette situation-là, elle m'arrange pas du tout. Eh ouais, déjà.
Déjà. Et lui, il est en train de se balader et d'aller. Ouais, ah, zut. Zut de zut. Je l'ai amené ici pour l'hyperium, mais en fait, c'est pas ça que j'ai besoin. Hein. Et vous voyez, il a que 3 sondes. Hein. Là, je peux pas la lancer. De toute façon, c'est pas dur, c'est pas ce que j'ai le plus important. J'ai besoin de. Voilà, donc je vais venir ici parce que j'ai. C'est marrant que je suis juste en titane. J'ai encore tout vendu. Non, je l'avais vendu et j'ai dû en racheter pour lancer l'obélisque, mais effectivement, c'est un peu court. Voilà, donc les boucliers continuent à sortir. Tout est slotté comme il faut. Bon, En ce moment, c'est le calme plat avant la tempête. Ah, fonder une colonie sur Satrus avant les autres. C'est où ? Écoute, petit gars. Ça, c'est ce que j'aime. Ça, c'est les quêtes optionnelles que j'aime. Quête terminée. Si c'est pas beau, ça. Ah ouais, c'était l'ancienne Origa, les amis. Waouh, magnifique. Bon, on a compris, c'est une planète froide. Froid stérile. Bam. Qu'est-ce qu'on vous fait bosser, du stérile ou du froid? Allez. Stérile, nickel. Le portail. Non, on va faire d'abord le... Bon, j'ai des sous. Allez, hop. Et tac et tac et tac et tac et tic et tac et tic et tic et des gendarmes. 3. Bon, de toute façon, vous avez vu d'un coup, ça fait un bon. Hein. Alors hop, on va faire ça. Voilà. Et je reviendrai ensuite. Mais tu t'es fait une blessure comment, espèce de couillon? 30 tours. Non mais franchement, je vous assure, moi, les héros qui se blessent tout seuls, là, t'es pas capable de marcher tout seul ou quoi? Attends, mais j'ai un truc, là. Pourquoi il est sur le côté? Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Non mais ce jeu, des fois, il bug. Et puis, mon vaisseau qui vient là, il est où? Il y a des fois des trucs, les amis, moi, je comprends rien du tout. Hein. Je sais pas pourquoi il me fait ça. C'est pas pour la récompense, hein, parce que ça vole pas haut, ce genre de récompense. Hein. C'est des petites quêtes de pas grand-chose. Hein. L'acte de colonisation vous donne le temps et les ressources nécessaires pour explorer entièrement la planète. Vous découvrez des galeries et salles antiques reliées à de grands systèmes souterrains et miniers loin de la surface. Cela vous montre le génie et la force de votre peuple. Mais rien n'indique qu'ils ont survécu. Pas plus que vous ne trouvez de cadavres ou de dépouilles inhumées. Vos conseillers ont pris cette décision pour vous. Deuil et paf! Ben oui, je sais. Donc c'est ce que je vous dis, c'est pas pour la récompense, hein, parce que quand vous avez plus de 600 000 de brume, que vous en générez 16 000 par tour et 1000 d'influence, enfin bon. Ah, je vois un message là, ça me plaît pas du tout.
Voilà, donc le portail, je l'ai payé. Donc il est sorti, c'est bon. Alors. Hein? Ouh! Eh, ça, c'est bonnard quand même. On lui a piqué le trou noir. Ah ouais! Eh oui! Eh oui, eh oui, eh oui! Donc tu protèges bien, hein, petit gars? Bon alors, qu'est-ce qui va me sortir encore? Ah, eh ben oui, eh oui, maintenant on est revenu, à ce niveau-là. Mais alors là, je suis pas d'accord. Hein. Pourquoi elle me met moins 4,5 de pression? Non mais vous foutez de la gueule du monde, sérieux. C'est un gag. Mais c'est un gag, ça. Venant de systèmes couverts par l'influence. Parce que j'ai deux planètes en plein au milieu de chez elle. Non, mais c'est pas sérieux. J'ai encore envie d'y déclarer la guerre parce que je veux l'écrabouiller, celle-là. Bon, il me manque juste... Voilà, elle vient chez moi. Elle vient m'emmerder. Elle vient me foutre le bordel non-stop. Et celui que j'ai envoyé ici, ben il a disparu. Je sais pas où il est parti. Je peux pas déclarer la guerre? Bien sûr que si. Ah, il faut que je fasse le point. On a vu avec... avec Spock, il faut que je vérifie. Je sais que j'ai des vaisseaux qui ont le rayon tracteur, mais pas tous. Donc, il faut que je vérifie ça. Alors, où sont... Vu qu'il va venir ici, donc. Voilà ce que je vais faire. Elle fait quoi ça? Il y en a plusieurs là, donc. Et ouais, même ça, je peux le faire. Tiens, tiens, vous avez eu les yeux plus gros que le ventre, hein. Ne vous inquiétez pas, votre adroit et très séduisant allié est là pour vous aider. Bon. Question. What order of creature are you? Donc en fait vu qu'ils sont ok, donc on peut rien faire à partir du moment où ils sont en alliance. Bon, c'est un peu dommage. Ça c'est un peu dommage. Voilà, donc ça c'est ma flotte d'assaut planète. On va venir la mettre ici.
Qu'est-ce que me dit ce système? Ah, je suis toujours pas. Comment ça se fait? Ah, parce que d'accord, quand on sort... Ok, oh là là. Donc ici, je repars à zéro, donc. Et ouais, on repart tout à zéro. Ah, fait chier. Ça, c'est pas cool. Mais alors ça, c'est pas cool du tout. Bah alors, pourquoi ici, je suis à zéro? Non, mais vous rigolez, là. J'ai pas bougé, moi, de là. J'avais pas bougé. Mes flottes, elles avaient pas bougé. C'est pas cool du tout. Bon, on fait un petit point. 23. 46. 112. 150. 216. 216. 232. 232, 310, 350. Effectivement, il a du monde, hein, 350. Alors, le problème, c'est est-ce que ça vaut le coup que je tente la baston? Parce que moi, j'ai 387. C'est un peu risqué. On va continuer de... Alors, je vais repartir, en fait. Je vais... Est-ce que j'ai des ressources suffisantes? Ah, ouais, j'avais pas mis... non, alors on va pas les sortir ici. Céginus est déjà. Voilà, je peux en faire deux en un tour. Donc je vais continuer à lancer des petits parce que là je vais mailler tout le réseau ennemi. Comment ça, Scorpius? Oh bordel! Je me suis raté en beauté sur certains trucs, moi. Hein. On a un manque de ressources et donc bah je peux, c'est difficile. Hein. La modernisation niveau 4, je sais que c'est moi qui dois la faire. C'est moi qui la mets en place. Et ouais. Ouais. Bam. 5 tours. C'est pas mal. Bon, je vais essayer de continuer. Je vais essayer de placer mes pions sur tout. Effectivement, c'est des petits vaisseaux, c'est pas des vaisseaux de combat. Mais au moins, je pense que ça va peut-être m'aider pour faire des blocus, pour les empêcher de construire de nouvelles flottes, etc. Parce que là, il a beau avoir tout un tas de vaisseaux disparates, il a quand même 350 000 points de combat. Hein, donc, des petites flottes, il va falloir que je fasse moi des lots aussi. Hein. Ah, ça a arrêté de tourner ici. Voilà, c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 d'un coup. Évidemment. Alors je sais que je peux la faire fuir parce qu'elle, elle n'est pas du tout armée. Mais... c'est pénible. C'est pour ça que je veux bloquer les systèmes. C'est une chose que je pense peut m'aider. Voilà, il a disparu. Ah putain, j'avais oublié de mettre ça. Non mais c'est pas vrai. Il a foutu le camp. J'ai manque de concentration là. Je suis navré les amis. J'ai fait quelques cagades. C'est pas sérieux du tout. C'est pas sérieux du tout. Mais alors, du tout. Où est-ce qu'ils sont sortis d'ailleurs? Ah, il y a un bug là. Ouais, il y avait un bug. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Ah ben voilà, le tir. Il vise ma... Ouais, eh ben je suis mal barré.
Alors, on fait ça. Et on fait ça. Je peux? Ah oui, non, mais d'accord, c'était pas la flotte. Et ouais, le tir s'était pas arrêté, sauf que bah, il était devenu invisible. Bon. On va essayer, on va croiser les doigts, les amis, d'essayer de pas s'en prendre plein la gueule, parce que ça va faire mal, à mon avis. Je sais pas comment je vais m'en sortir. J'ai mis en place le bouclier, mais je sais que ça suffit pas. Le bouclier ne protège pas de tous les dommages. Donc, 3 tours. 3 tours. 1, 2, 3. Oh putain. Oh bordel. Le temps de transférer en citadelle. Ça va être dur. Ça va être très très dur. Je pense, j'arrive pas à savoir si c'est Scorpius qui est ciblé ou Sabel. Peut-être Scorpius. Eh bien, on verra ça dans une prochaine vidéo d'Endless Space 2. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Amusez-vous, je joue beaucoup. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt. Salut, bye bye.